Désir Venès, partisan de Dr. Lucien Algilio, partisan Emmanuel Ventilaire, partisan et Smith Augustin, ils ont déjà commencé à tirer pied après rapport ULCC mette dehors. Côté que enquêté ULCC a demandé pour que la justice haïtienne agisse contre trois conseillers SAO, Lucien Algilio, Smith Augustin, Emmanuel Ventilaire, parce que monsieur Sao t'a impliqué dans des scandales de corruption que il t'a demandé 100 millions de gouttes avec ancien président conseil administration BNC1, monsieur Raoul Pascal Pierre lui, partisan Lucien Algilio le mandé enragé, Emmanuel Ventilaire mandé enragé, Smith Augustin mandé enragé. Qui donc je dis à désir, en pile acteur, en pile secteur déjà ouais que eh bien question qu'a pété ça c'est au conseil qui vous crasser. En pile monde déjà monté voir au chapitre pour dire que crasser conseil présidentiel transition ça avec ensemble de monde que nous cité dans scandale corruption et que monde qui allé plus loin je dis que quelque soit le KPT, quelque soit le gouvernement Konyan, c'est écraser le pouvoir qu'il a. Parce que, il y a déjà, ouais, que, mais deux têtes exécutives, ça qu'il a, il n'y a pas réglé un sérieux. Donc, je dis à la désir, on dit que, qui a venu pays d'Haïti? Et qui a venu transition politique ça? Qui a venu KPT? Hein? Qui a venu gouvernement Konyan? Et m'a pas menti désir, que PM Gary Konyan, monsieur Kapé en met pays, selon tout le monde. Monsieur Kapé en met pays, monsieur dit que madame Dominique Dupuy, li pa gen pou nan répondre question conseiller yo parce que Jean que yo voit invitation gen on vice de femme la dan. Et il dit monsieur yo rete tan comme le 4 ou bien le 6 octobre là. Et ben a gen rencontre entre et dit conseil des ministres, et ben laisse ça, il a parlé avec madame Dominique Dupuy. Mais c'est histoire que madame Dupuy déplacée pour c'est lui même qu'al nan bureau et conseiller yo. Gay ko ni di bagay comme ça. Et non, gars, quand il dit bagay comme ça, elle met pays frère, elle met pays, elle met gouvernement, elle met conseil, mais madame Dominique Dupuy c'est sous ordre lié, il pas déplacé aller parler avec aucun conseiller pas avant que c'est pas un conseil des ministres qui vous faites. Et nous bagay ça, il risque écraser chambardé pouvoir exécutif ça qu'il a. Elle dit nous risquer tomber notre troisième transition. Nous risquons de tomber dans la troisième transition des Ibenes. Et pendant que nous risquons de tomber dans la troisième transition, ça, gagner exactement président dominicain, Luis Abinadel, Désir Venès et mon égard pile haïtien, qui ont même cap vivre Saint-Domingue et cap garder mes sacs nouvelles. Luis Abinadel, monsieur dit, chaque semaine, Gibral Vini là, Libral déporté 10 000 haïtiens. Qui illégal la Kaili. Luis, m'en prends ça pour nous. Luis Abinadel dit, à partir de semaine qui a venu là, il va commencer chaque semaine déporter 10 000 Haïtiens. Et ça qui illégal la Kaili. Qui donc je dis là, l'État haïtien, préparez-nous, parce que Luis Abinadel va le voir haïtien. Ben décision grand bas, mon frère. La situation, question convocation, madame Dominique Dupuy, est-ce qu'elle est correcte? Moi, m'a dit oui, li correct. Parce que, faut qu'il y ait clarification qui vient sous dossier diplomatique, ça, qui te gagne cacophonie là-dedans. Mais, Kounia, on pose tête une question. Position, premier ministre, docteur Gary Konyan, ou vice de forme, ou mandé ministre, affaires étrangères, pour le pas mettre des pieds, est-ce qu'elle pas correct? M'a dit oui, li correct. Si c'est conseiller présidentiel, qui a convoqué, conseiller présidentiel, a pris engagement pour asseler, mettre signature en bas document, qui a voué pour invitation. L'autre bagage de la situation. Dominique Dupuy vini dans la diplomatie haïtienne. Il pratique une proposition. Il m'a dit enquête. Il m'a dit pour l'ULCC mener enquête. Sous yon ensemble consulat. Sous ensemble diplomate. Ça pratiquement. Il y a des nègres. Il y a des camps. Quel dérangé. Parce que les diplomates là volent. Ce n'est pas peut-être les volent. Il va voler peut-être tout simplement. Nous besoin qu'on ait ça. Dans ce pays d'Haïti, il pratiquement un problème avec les gens qui intègrent. Blaise Peterson, nous voyons que mairie Port-au-Prince commence avec un ensemble de mouvements, nettoyage, un ensemble de rues en bas de la ville. Blaise Peterson qui portait l'espoir. Puis, on a posé cette question. Est-ce que magistrat Port-au-Prince prend le même l'ordre, la police prend, dans le Jimmy Cherizier, alias Barbecue, qui mandait pour tout le monde de Matoune? Et on voit que la police, tout font faux filet. Elle reprend contrôle commissariat qui est dans le Cafou Aéroport qui a été abandonné depuis un bon bout de temps.
ça qui a passé en bas la ville là, les a gardé magistrat Port-au-Prince qui a frappé pendant pas une grosse opération qui a mené nèg yo toujours gen contrôle ATA et nous ouais gen blender qui accompagné yo qui a retiré carcass machine plusieurs dizaines machines que nèg yo té boulé nous ouais qui a ralé yo les personnes. Ça permet que n'a poser tête nous gros question chef gang dans département de la Tibonite Dixon Elan il parlait tout les personnes il prend position pour dire que moun yo cap traverser Kafoua toutefois que ou d'accord payer mais net pour sonder au camp en face yo li pari pour la fond massacre nan pour sonder nan niveau marché ya nan espace là si autorité pas prend responsabilité yo c'est yo même qui prend gen responsabilité parce que nek sa ou pas jamais annonce son bagage dans situation pour yo pas faire nan ka conseiller yo ILCC tout monde t'a prétendre rapport enquête ILCC comme ILCC pas gen compétence pour le dire arrêter pour le dire marrer mais ILCC transférer dossier ya pas devant juge. Vous dites juge d'instruction, menez enquête sur ça et mettez action publique en mouvement contre trois conseillers ça. Mettez action publique en mouvement, c'est dire mettez mandat des trois conseillers ça pour marrer yo, mettez des quatre mirailles. Alors, très bien. Vous sentez travail pas fait de poids et de mesure parce que ouais, même Raoul Pascal Pierre-Louis, ancien président et conseil d'administration BNCA, il pratiquement mandé avec autorité États-Unis pour extrader monsieur pour protéger monsieur là Interpol pour monsieur tourner en Haïti pour permettre de venir répondre question sur et ça qu'elle fait surtout et d'ailleurs utiliser ça comme influence hein pour bail pour devenir pour corrompre de monde en dedans pouvoir et en plus fois il a posé cette question on est qui sorti dans structure qui présente tête li comme structure de gauche ta compétite de Saline qui j'en fais un représentant fait plonger dans la situation ça. En plus, on a regardé, c'est Arabus. Ça, mon cher, non, pas de base, mon cher. Moïse, pas de monde sérieux, non, frère, monsieur, non, plus le monde. Bon, donc, monde qui connaît Moïse Jean-Charles, mais ça m'a dit bien. En plus, témoignage fait là, monde qui connaît Moïse Jean-Charles, il y a toujours dit Moïse Jean-Charles, pas de monde sérieux. Monsieur, c'est un nec, couteau des bolliers. Devant la parler bien pour derrière deux, la font l'autre bagage. Aïe, dit Moïse, ça va étonner monde parce que l'air qui est entendu, Emmanuel Vertilaire, qui s'est représenté à Petite Dessaline, lui-même, non, il cite dans le bagage ça. Parce que, gardez histoire et ministre qui est ici dans un guillant. Gardez histoire et soyez Henri, Moïse by ministre, Moïse pas jamais l'admettre qu'elle était by ministre. Et même sous Jovenel Moïse, n'est-ce pas fait battre contre Jovenel Moïse? Moïse est dans le pouvoir. Moun qui connaît Moïse très bien, il y a besoin que Moïse pas jamais un extérieur. Et Moïse pas jamais un leader de gauche. Il t'a vendu semblant un leader de gauche, mais il pas jamais de gauche, mes amis. Kounia, on essaie donc de regarder. Et profil Mounio, qui pratiquement plongé dans une situation comme ça. Emmanuel Vertilaire, son juriste de son État. Et gardez, lui, Gérald Gilles, yon médecin. Ancien sénateur, tout. Ancien sénateur, yon médecin. On est qui parcourit, on est qui perdit un pile de temps pour l'apprendre. On est qui passe l'école. On est qui, nous avons dit son intellectuel chevronné. Exact. Qui en fait à le tomber dans la bagaille comme ça? Et ça, quand même, surtout sur la question de Yavar, sur la question de chercher faire l'argent, n'importe qui, Jean. Et si nous avons gardé Smith Augustin, son diplomate. Diplomate et ambassadeur Haïti dans ce domaine. Qui j'en fait tomber dans un bagage comme ça? À partir de qui ça a tombé dans un bagage comme ça? Comme, en plus, il faut attendre ces tractations, c'est pour qu'on discrédité ou qu'on ait retiré dans le conseil là. Mais bien, la situation qu'on a, nous devons garder configuration conseil là. Avec maintenant, trois mouns à yo, est-ce que conseil a toujours inspiré confiance? Parce que l'autre, six membres pas de jambes, en position ferme sous question ça, depuis le Raoul Pascal Pierre-Louis, et fin de faire des dénonciations. Je te dis, tu as pris ton délibération. ILCC. Après ILCC, transférer le dossier par devant et la justice. Qui ça? Président conseil, là. Qui position qu'il prend? La continuer et détendre la justice? Parce que si c'est instruit qui a instruit le dossier, là, bien over 90 jours. 3 mois. Qu'on y en a pris 3 mois, là, quitter le pays à traîner. Et question, président, sur notre plan, est-ce qu'elle a toujours qu'un pour 7 octobre qu'a venu là, c'est Adrien Smith, Augustin, qui a pris siège, président, conseil, présidentiel, transition. Vis-à-vis avec toute cacophonie, bataille qui gagne entre diplomatie avec KPTA, bataille qui gagne entre chef gouvernement avec la présidence. Est-ce que ça y a joué en faveur pays d'Haïti? Pendant nous avons un espace, nous avons des dates fatidiques, nous avons des dates qui importants qui permettent que nous organiser et prendre le pays et conduire vers espace qui très sérieux pour la situation. Situation pas belle. La police montre que continue à frapper. Mais résultat, yo, pas escorté tant que j'en m'y a prétendu, soit gardé dans le vestiaire, ou après opération pénétration, y a fait dans l'espace, même j'en, dans quoi de beau sale, en bas la ville, yo continue à faire chemin, yo, mais de fait, problème qui gagne, bon côté chef gouvernement, bon côté conseil présidentiel transition, bon côté chef diplomatie, il pratiquement côté en pile cacophonie.
et malais qui pendait sous tête haïtien qui vivent tout partout à travers le monde là, ça au cap vivre les États-Unis, ça au cap vivre en République dominicaine. Donald Trump clair l'expression après le fin élu, s'il est élu dans l'élection qu'il a faite là, on a moins de voix cap venir ensemble monde qui rentrait dans CBP One, ensemble monde qui rentrait dans parole humanitaire programme Biden. Il est pratiquement pas connaît des situations de bouleverse et déjà depuis la campagne ouais qui position. Et Luis Abinadel, elle dit la fond bagaille, nous, qu'elle arrange les fait. Parce qu'elle dit, les pral voyait plus passer 10 000 haïtiens tourner la caillou presque chaque mois. Parce que, lui, imaginez, quantité haïtiens qu'il voit qui rentrait, qui vivent l'autre bois illégal. Parce que, haïtien, ça, qui ça fait aller? Il a cherché la vie, soit il a cherché sécurité, ou bien il a cherché un travail qui permet de continuer de vivre les situations. Désir Menace, et ça m'était en autre nous, moi, Désir Menace, pas oublier ça. Dossier ça, fan connaît comment la fini. Dossier ULC, c'est ça. Dossier 3 conseils, ça yo. Bagay conseil ça. Gouvernement koni, bataille en kapete gouvernement koni, non? Fan konne comment ça pral fini. Et comment la fini. Et dans tout ça yo, qui côté peuple haïtien li même lié? Mle ke nous allons chercher nous chita pour nous capable tande. Rapport ULC, c'est un, il y a 12 pages. Li en pile. Li vraiment en pile. Même baba nous menti, m'a calé tout 12 pages pour nous. Et m'bral vini avec un extrait sonore que directeur général de CCA, monsieur Hans Jacques-Louis Dietz Joseph lui-même que li baille. Là je viens quitter mercredi 2 octobre là, OK? Nous prend le temps de monsieur. Mais en grosso modo, il y a un aspect qui est important dans rapport ça que moi estimé que m'était capable partager avec Zami avant même d'entendre directeur là. Et ça monsieur dit. Monsieur dit que Désir Menace et bon regardez bagala bien. Sorti mois de mai. C'est bien. Sorti mois de mai et vous arrivez mois d'août 2024. C'est bien Zami. Monsieur va dire d'ailleurs, mais m'le ça clair dans tête nous. Sorti mois de mai et pour arriver mois d'août 2024, gè conseiller Smith Augustin qui fait 15 achats, ça veut dire qu'il a acheté 15 bagues, mais on dit ça l'acheter. Mais on dit ça l'acheter, à bien dire. Mais on dit, monsieur fait 15 achats. Et 15 achats, ça, li évalué à 872 000 good 872,220 good 40 centimes, j'aime dire comme ça. 872,220 40 centimes. C'est-à-dire 872,000. Gonse atteint de Léandre. Pourquoi je viens comme ça? Ah, ça pose une affaire. Ça me connaît pas. Ça pose une affaire. Ah, on est comme ça, ouais. Sorti ces casse ma prendre un rapport hier c'est ça m'a fait mon temps de lui vous êtes côté jeune eh bien moi balif bon moi monsieur l'argent là bon galé moi avoir la mesure l'argent là vous comprenez comment de jeune l'argent monsieur yo si Léon de la lui même qui ses amis Smith Augustin allez ça veut dire son ami Léandre comme monsieur c'est construit là ici dans ses domaines ouais c'est pas trompé monsieur lui même on somme de 646,921,60 centimes. Alors, 60 good, centimes good. T'as coup l'autre attaque à 10 centimes, mais ça, si mon épice. Mon épice, mon chè, mais si mon j'en ai tapé, quand même. Mais pendant, j'en ai gopon, j'en ai gopon, papa. Gen, juge Emmanuel Vertilaire. Bon, monsieur, lui, même enragé net. Hey, parmi ça. C'est un gros chiffre. Parmi ça, son. C'est un calibre, ça, un calibre quand même. M'a plus mal dans sa question. Monsieur Gen Lyon. T'as mis assez Lyon ou bien Lya? Lyon, 1,078,000 good, 255,61 centimes. 1,078,255,61. Et le général Jules, lui-même, il c'est 1,027,336,82. Yotnex qui a accumulé une grosse somme d'argent sans n'a pas même fait ça n'est remboursement. Et 4 Smith Augustin et Léandlan, ils ont bloqué 4 M. Sayo parce qu'ils n'ont pas payé 4 Sayo. Emmanuel Vettil lui-même,
je t'ai remboursé 157 000 gouttes et le général Gilles lui-même 700 gouttes avant enquête là. Raoul de bloquer 4 pour négo. Ah, li clair, mon cher. Et bon, avancez. Raoul Pierre, lui, tout. Ça même jouer, monsieur. Monsieur, son gros volant, tout. Yeah, monsieur, son gros volant. Fanny Bagala. Et pas. Chape de pied. À la que Bagala, c'est monsieur de toi conseiller, ou non? Mais Raoul Pascal Pierre, son gros volant, tout. Parce que selon rapport, il y a. Monsieur, vous profitez pour moi. Monsieur, vous profitez pour moi pendant la paix, n'est-ce pas? Quelque chose, ouais, ce Bagala est là. Raoul Pierre, lui, pas dit aucun intérêt. C'est pas parce qu'il est lui-même tout. Les gars, Bagala, intérêt, pas qu'il t'a pris la donne pour qu'il t'ait choisi rentrer dans la connivence, dans le concordat, décaissement de l'agence, ça, pour n'est-ce pas? Non, Blaise, l'homme est là pour le péter. C'est là, monsieur, venir vous comprendre que n'est-ce pas capable de renouveler le mandat. Monsieur, obligé de faire causer après la rue. Exact, exact. Et on dit que Raoul Pierre, lui, monsieur était proposé, aurait proposé, monsieur t'a proposé des avantages financiers en lieu et place des sommes demandées. Elle dit, quand il était comme négo demandé, hein, proposé plutôt pour t'avoir négo des avantages financiers. Avantages financiers, l'argent toujours. Ah, n'est plus bagaille. Peut-être il pas répondre avec quantité que au mandé a sans doute lui ou elle pas t'a pas venir mais avancer de l'autre chiffre qu'il cap bayo qui c'est avantage financier toujours. Pas des citoyens. Pendant que monsieur propose négio, ça n'est les désavantages financiers en lieu et place de somme là je négocie mandé monsieur. Monsieur dit que négio y a bayo 4-4 de crédit. Elle dit chaque nèg t'a bon 4 de crédit. Pas oublier qu'on Léandre là, Léandre ça monsieur te demandé priorité le tout. C'est un gros oh, bon, les gars, c'était consulat Haïti Saint-Domingue, mon cher. C'est Emmanuel Vettilaire, Smith Augustin, Louis Gérard Gilles et Léansa. Eh bien, je dis que y a la banne au cadre de crédit, mais pour trois conseillers, nèg a bon cadre de crédit qui a évalué, limite, li c'est 20 000 dollars. Eh bien, 20 000 gouttes, eh bien, 20 000, comme si pas de l'Haïti, non, il m'a de l'Haïti, t'as dit 100 000 gouttes, non. 20 000 dollars. Ce n'est pas 100 000 gouttes. C'est pas 100 000 gouttes. Non, pas 100 000 gouttes. Elle dit 20 000 dollars. Léandre lui-même, qui c'est proche Smith Augustin, monsieur lui-même a un cas de crédit qui a 12 500 dollars. Monsieur était dans l'intermédiaire ou bien monsieur son président Baronne? Et dans la chambre 408 là. Et monsieur était dans la chambre ça. Ok. 408. Ouais, ça, monsieur était là-dedans. Elle dit, et monsieur t'a pris ses voix avec oui. Ok, ouais. Comme monsieur, c'est coutier, faut coutier à toucher tout. Pas de monsieur t'a dit, et Gonzami, c'est un ami à moi. Mais c'était tout ça, oui. Ok. La paille de coutier. Coutier à qui qu'on parle de 12 500 dollars. Ok, okay. Bon pays. Y a bail, monsieur. Et l'autre conseiller, 20 000 dollars. Ça côté achat n'a pas été fait. Vous avez dit, le général Gilles, monsieur, seulement, dans le comité qui a acheté, vous avez dit ça, seulement 700 gouttes, il a été bail avant qu'elle a été menée. C'est 700 gouttes. Oh, pardon. 55 700 gouttes, pardon. C'est 55 700 gouttes, voilà. OK? Le GRJ de Guetambay, 55 700 gouttes avant enquête là. Vous corrigez ça, parce que c'est pas 700 gouttes, c'est 55 000. Combien t'es doué? Ah oui, combien t'es dépensé à tirer au crédit? Y a un bout, c'est lui. Y a un bout, c'est lui. OK. Le désir, maintenant qui ça paye à tomber là, maintenant qui ça que nous en a fait, pile bon camouquin, qui bon vagabond, mais qui ben pas sérieux que nous on a fait et m'a dit papa ici encore papa ici grand destin nous destin pays ça n'a même nous lié parce que nous en a fait avec qui ben volo volo dans BNC volo dans conseil volo dans gouvernement volo dans tout qu'on a l'état mais faut pas la clé ici volo mais je dis papa ici m'a dit nous ça clairement grand risque responsabilité nous. Prend destin nous en main. Et je crois que je dis à désir, c'est important pour que moun yo capable d'attendre. Parce que on fait moun yo te débarrer là avant. Même devle fait si approche ça avant. Mais avant, comme si pour moun yo capable d'attendre ça gagne. Et puis après ça, comme si français, il m'a parlé. Il m'a parlé français. Mais pas ici, je vais pas la bien, je vais pas défoncer. Moi, même, m'a décorti qu'il est plus ah, moi, c'est français, il a parlé. On va y rapport, même, nous voyons, nous voyons, on rapport en créole, mettez pas en créole pour nous comprendre. Pas de pile gros français, pile bagay. Alors ce que. Rapport, c'est pour majorité. La majorité a ta de comprendre. Exactement. Eh, là, j'ai fait la volo. Entendez, Hans, Jacques, Ludic, Joseph,
qui est directeur général ULCC, Unité Lutte contre Corruption, qui mandé Marie, alors les potes 5 minutes, 3 conseillers ça yo, Léon Zali même qui s'est consul haïtien, et puis mette avec Raoul Pascal Pierre qui est en Maron, mais on mandé la Interpol d'elle. Entendez. Sans précédent dans l'histoire politique et institutionnelle haïtienne, où des hauts responsables de l'État qui assurent les attributions présidentielles sont impliqués dans un scandale de corruption. Les conclusions de l'enquête conduite par la commission mandatée à cette fin sont sans équivoque sur des atteintes à la probité de ces personnalités qui sont toutes également des agents publics avec la responsabilité de réduire les inégalités sociales, de permettre le vivre ensemble et de s'assurer du bon fonctionnement des institutions de l'État. L'USCC, se conformant à sa mission légale, a mené une enquête impartiale, crédible et fiable sur cette affaire de corruption impliquant 3 membres du Conseil présidentiel de transition et l'ancien président du Conseil d'administration de la Banque nationale de crédit. Ce rapport d'enquête que nous publions concernant les allégations de sollicitation des 100 millions de gourdes par les membres du Conseil présidentiel de transition est issu de plusieurs mois d'investigation et de documentation de nos enquêteurs expérimentés. Ce travail effectué avec un élan d'objectivité est aussi un plaidoyer pour la bonne gouvernance et l'usage strict de l'intégrité dans la gestion de la chose publique. L'ULCC se trouve à ce carrefour historique en fonction des enjeux et de l'ampleur des grands dossiers à scandale qu'elle conduit. Cette institution qui détient cette noble charge de moraliser l'administration et la vie publique en général, de protéger les biens publics et collectifs, répondra toujours, sans moindre doute, à ces rendez-vous. Définitivement, toutes celles et tous ceux qui gèrent les fonds publics ou qui occupent une fonction à forte influence ont désormais des comptes à rendre à la nation. Ce changement de paradigme est en résonance avec les objectifs de cette période intérimaire insérée dans le décret du 10 avril 2024 qui insiste sur des réformes profondes et considérables en vue de proposer une nouvelle forme de gouvernance axée sur le sens profond du service public. Enfin, nous réitérons une fois de plus la demande d'un traitement judiciaire des rapports d'enquête, c'est-à-dire des verdicts des tribunaux et cours du pays. Je veux rappeler que les juges sont appelés à décider en toute indépendance, en priorisant l'intérêt général, en s'efforçant de résister aux forces occultes détentrices d'avoirs importants issus des actes de corruption qu'ils sont tenus de réprimer. L'ULCC demeure une grande alliée de la justice et travaille pour la justice. Chaque journaliste ici présent sortira de ces lieux avec un résumé exécutif de ce rapport d'enquête, comme me l'autorise l'article 9 du décret du 8 septembre 2004 créant l'ULCC. Nous décidons d'impliquer chaque citoyen et chaque citoyenne dans cette quête de bonne gouvernance et de reddition de comptes. Ça qui a passé aujourd'hui, c'est un événement historique, c'est un signal fort qui montrait que Haïti demeurait et restait un état de droit. Qui donc, personne, quel que soit rang, quel que soit statut, pas piro, ni en les têtes la loi. L'ULCC a continué sans arrêter, avec même énergie, à traquer tout corrompu à tout corrupteur. L'ULCC a fait des recommandations administratives, en plus des recommandations sur le plan pénal. C'est d'abord la mise en mouvement de l'action publique contre les nommés Smith Augustin, Emmanuel Vertiller et Louis-Gérald Gilles pour abus de fonction, versement de pots de vin et corruption passive, ce conformément aux dispositions des articles 5.5,
et 5.6 et 11 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. La mise en branle de l'action publique contre le nommé Raoul Pascal Pierre-Louis pour entrave au bon fonctionnement de la justice et abus de fonction, versement de pots de vin, corruption active, fait prévu et puni conformément aux dispositions des articles 5.5, 14, 21 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. La mise en mouvement de l'action publique contre le nommé Lonique Léandre pour instigateur de versement de pots de vin fait prévu et puni par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 5.6 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. La demande d'extradition du nommé Raoul Pascal Pierre-Louis par l'autorité judiciaire compétente pour répondre de ces faits, ce, conformément aux dispositions des articles 14 de la Convention interaméricaine contre la corruption, 43 et 44 et suivant de la Convention des Nations Unies contre la corruption, du traité d'extradition entre Haïti et les États-Unis d'Amérique et l'article 1er de la loi du 14 décembre 1912 sur l'extradition des criminels fugitifs. Désir, vous êtes bagala. Bon, Blaise, nous-mêmes, nous avons déjà une position. Parce que, ouais, même que c'est à une rumeur, même que c'est à une accusation, au nom de la morale, monsieur conseiller, vous êtes doué démissionner de la situation. Laissez-vous t'as sauté, t'es trop devant la situation. Mais malheureusement, c'est des gens qui t'ont dormi rêvé, vous êtes ouais, président, ils ont décidé de continuer à être. ILCC, l'Angèle, malgré qu'il y a des gens qui dit que le rapport a manqué évidence, il manque clair, il manque explicite, mais le fait ILCC, dans ce bout de temps qu'il a gagné à Blaise Pesson, il fait sale de pour le faire, parce que le date qui a avancé, il n'a pas arrêté, n'attendre de chercher évidence toujours. Mais il y a des gens qui disent qui est instrumentalisé. Il y a des gens qui disent son rapport instrumentalisé et qui ont caché des rapports pour qui pense que ILCC est un rapport rapide. Donc, si il y a caché, il y a qui est, est-ce que c'est CARICOM qui a caché? Est-ce que c'est le département d'État qui a caché? Est-ce que c'est sans doute et Dr. Gary Kony qui a caché? C'est ensemble question qu'on a posée. Nous-mêmes, nous ne pas connaissons pas la question de la caché. ILCC, c'est une institution et qui prend, qui a une responsabilité pour faire le travail que vous faites. Il fait le travail par là, il fait partie par là, pour y arrêter avec la justice, pour mettre l'action publique en mouvement. Ou elle garde partie administrative. Parti administratif, le traité, ça qui a un rapport avec la question de justice, li déféré par devant la justice pour la justice prend responsabilité. Quand y a un bras regardé, est-ce que ensemble juge, y a pas pratiquement quitté et directionné sous contrôle et soit groupe monde qui peut être derrière conseiller ça, est-ce que y a pas pris en intimidation pour empêcher de faire travail, mais de fait il a cessé de faire travail. Blaise, ouais décision ça. Li mette tout ou ni, et n'ta ka di quelque part, li pote raison, by group moun qui te dans question évolution avec Philippe là. Pourquoi ça me dit ça? Parce que sans doute, moun sa ou te prévoyant, yo te dit, mais qui côté, baga la prale? C'est le groupe nek qui pral vini, pral chercher faire l'argent à tout prix. Yo pral chercher vini fonti kob. Parce que, gen la de ou la ki gen, plusieurs dizaines d'années. Depuis yo pa, gen chance, rive au timon des affaires pour yo vini dans pouvoir. Pas de profiter, pas de arriver là, il dit bon, et comme son va chaler, ben, mais c'est d'autres regarder, qui j'en cap sous ces mamelles là, parce que je ne sais pas qu'il est, m'a retourné là-dedans encore. Comme si, ensemble d'achat ça, yo, qui présentait, que Smith Augustin, que, et docteur Lugéral Gilles, Emmanuel Vertilaire, ensemble, monsieur Sorda, qui t'en fait, qui côté, où j'en l'agent ça? Non, mais qui est-ce qui prend l'agent ça? Est-ce que c'est pas que d'autres que directeur général, que n'a eu arrangé, que vous avez pris l'argent, non, mais encore. Ça fait qu'enquête tant besoin plus approfondi. Et ça fait, ouais, moi-même, moi d'accord avec catégorie monde qui dit que enquête ILCC a pu jusqu'à présent, lui manquait évidence. Mais il fait avancer, ça le bail là, c'est des pistes qui permettent que la justice fait travail, surtout à l'encontre des messieurs Sayo qui viennent épingler dans la question. Qu'on y a un essai d'autre, regardez. Ça qui vient là, qu'on y a blessé personne. Est-ce que le conseil présidentiel transition est pratiquement toujours kembe, ça qui gagne comme respect que moun dabe gagne boule? Vle au kembe, 3 dans 9 moun yo qui plonge dans la corruption et yo montre que yo te commencé à recevoir. C'est ILCC qui dit.
yo te commencé recevoir l'argent Kozia t'a parlé. OK, Kozia t'a parlé, mais kounye a yo d'accord que nèg yo te commencé recevoir l'argent à travers cap que yo t'a bay nèg yo. Ou pas connait que Raoul Pascal Pierre-Louis président conseil d'administration BNC l'état gestion l'argent qu'il t'a fait dans BNC c'est pas l'argent parle. C'était l'argent sociétaire, c'était l'argent membre qui fait partie et banque là qui dans banque là. Là on décide comme conseiller présidentiel. Au premier mandat le bras fini. Li contacte ou, li prend rendez-vous avec ou la kaili. Nous mangeons ensemble, nous boire ensemble. Dans moment nous apprenons que premier ministre et docteur Gaïconi te manqué prend sa bon. Non mais Claude Joseph parce que Claude Joseph te dit que li habitué voyer gouvernement aller déjà. Li cap voyer l'aller. Après nous continuer dans chita dans hôtel. Nèg yo chita ou mange yo boue, et puis les ou pralé aller avec poche bel. Bon, si nèg yo te mange poa, ke yo arrange ou bay la purée, puis libérer la République, parce que le pays a trouvé une situation très difficile. Nous te geta prévoir, nous te dit, mette conseil présidentiel ak nef en blanc, se yon lot crise, en de crise que le pays a connu. Mais qui sa ke nous fait pour nous sortir là-dedans? Est-ce que nous pas ka sortir là-dedans? À partir de qui sa nous sortir là-dedans? Moi, tout le temps, il blesse. C'est une question de conscience, tester conscience nous. Tester volonté pour nous retirer pays à côté hier. On y a pris tant de décisions CARICOM. Après ça, CARICOM, comme c'est lui-même qui met des jeux, l'explication, il doit décider. Mettre à c'est CARICOM. Utilisé par l'Occident, utilisé par Nations Unies. Il y a besoin de prendre décision qu'on y a. Parce que ILC s'est délivré. Il y a tellement de indices. Il y a les parties administratives. Il est transféré devant la justice. Qu'on y a, monsieur, pratiquement pas de place dans le conseil encore, l'explication. Le bagage à Martinez, c'est que l'éclair, question qu'a posé, est-ce que une fois que trois conseils sont impliqués dans le scandale de corruption, est-ce que ça n'a pas tout sujet pour craser le conseil? Est-ce que ça tout, c'est pas, l'Ibaba accès, retirer trois conseils, ça remplacer pas trois autres, bah qu'on est? Est-ce que à quoi dit ça tout? Est-ce que à quoi tout, bah accès tout, pour que vous remplacez trois monsieur Sayo, parce qu'il va oublier, jusqu'à présent là, à quoi 21 décembre, il m'a enragé pour le voir, et à quoi 21 décembre, il m'a enragé pour voir soit Vickerson Gagné ou bien Marjorie Michel. Est-ce que à quoi 3 avril qui va existence avec KPT1, est-ce que le gars ça la donne comme n'est pas j'aime publier à quoi 3 avril? Ouais, actuellement la désir, à quoi 3 avril la cassé? Il est cassé déjà. Il est déjà crassé. J'en ai toujours dit là. Mais après rapport ULCC, il a dit à quoi qu'on a enterré net. Il dit à quoi qui enterré et qui pas quand même existé encore. Qui pas quand même ressuscité encore. Ouais. Il dit à quoi crasse enterré net qu'on y a. Il va même qu'à ressusciter. Mais qu'on y a, bien que n'est pas de j'aime biblier à quoi 3 avril là. Qu'on y a, fanda qu'on est qui ça qui t'est dit en d'accord 3 avril là. Ok? Qui ça qui t'est dit en dedans à quoi 3 avril là? Est-ce que Kounia là, à quoi 21 décembre, qui besoin de remplacer moun, et même aider, qui est déjà voué ou moun là pour remplacer Smith Augustin? Est-ce que ça peut arriver fait? Est-ce que si vous pas jamais remplacé? Est-ce que monsieur ça peut attendre ses carrières comme qui vous dit yo? Monsieur non nous cité dans des scandales de corruption obligé par démission nous? Est-ce que c'est ça qui peut le fait? Est-ce que c'est ça qui peut le passer? Est-ce que tout, si que, pas de possibilité, ben, pas qu'on est ça qui est dit, pour t'a remplacer trois messieurs Sayo, qui prend la réaction ensemble des escritis qui voulaient voir trois moun Sayo? Faut regarder tout paramètre dans le moment, Kapvini, qui Kapvini en face nous là. Parce que y'a un pile ça Kapvini en face nous. Ok? Est-ce que ça tout, pas prêt à tout plonger pays, non, un véritable mouvement levé campé soulèvement pour jeter, pour craser ni KPT1 et voyer aller ni gouvernement kouni là. Parce que, gen de leader politique là, yo clair dans position yo, qui c'est craser KPT1, craser voyer gouvernement kouni là ali. Gen qui dit, c'est réduire KPT1 avec trois membres et puis voyer gouvernement kouni là ali. Aïe dit, bagala mélange là. Il y a une question d'intérêt personnel, Bez. Et ça te toujours, Ephraim. Et ça toujours, pas de jambes bagala. Mais qu'on y a la peine plus visible. Parce que, vous, moun kap mande pour vous et qu'on y allez, est-ce que c'est pas parce que vous êtes connu plus pragmatique, vous êtes connu, vin la, dit zéro tolérance dans sa qui n'y a pour avec corruption, malgré jusqu'à présent, vous avez dit c'est à l'oral que parce que
pas de gain pièce position qu'elle était par rapport avec scandale corruption entre trois conseillers. Et moun ki a demandé pour qu'il y ait trois conseillers, est-ce que trois conseillers ça c'est pas pour Léo? Parce que Léo parle de RNDDH. Et en plus, moun toujours gardé position, c'est des positions, des procès de détention qui s'appellent partager comme intérêt qui permettent qu'elle prenne position dans son espace. Son parti politique, tout. Ah bon, son parti politique qui pratiquement perdit ça a été gagné comme idéologie et comme responsabilité. Et on est dans le pays à l'est. Alors, dis là, c'est ensemble de paramètres ça. Yo. Et l'enga de ensemble de paramètres ça au désir, Livin dit donc que, peuple haïtien, j'ai un mot, peuple haïtien, pas grand-chose à vous dire. Peuple haïtien, n'est-ce pas bouquet fait démagogie. Jusqu'à ce que y a boulé toute quantité moi avec Ariel Boulé et jusqu'à ce qu'elle était dehors et mais nego va faire un gens là tout mais c'est dame qui là yo il a fait un gens il a boulé toute quantité moi avec chrétien là parce que pral gon temps qui pral perdre là dans question trois conseillers ça yo si nego va pas démissionner est-ce carré comme venir aller flanquer au dehors et qui pral réaction partisan yo OK qui ça pral passer. Gè tout ça ou là pour nous garder. Gè tout ça ou là pour nous questionner. Hein? Tout ça pour nous garder et tout ça pour nous questionner. Donc je dis, hein, nous face avec on 19 mois qu'on a perdu, même je ne suis perdu 30 mois, 32 mois, disons, avec Ariel Henry. Et ouais, les arrivés 7 février 2026, pour y'a pas pouvoir. Eh bien, laisse ça pour aller. Pour aller de le plus gros soulèvement, de le plus gros mouvement pour aller fait. Laisse ça pour aller vivre ensemble, c'est être ensemble, c'est écraser ensemble, qui est-ce qui va le faire. Mais papa, ici, dans tout ça, qui côté nous y est et qui côté nous camper des yeux venus. Je nous dis, hein, je vais venir avec Pierre Espérance, monsieur qui lui-même, t'es déjà barré à son pal, et il montre que pour lui-même, mais qui s'est présenté comme tableau, réalité en face de lui. Il était dans l'émission et Gazette News, avec Assad Volsi sous question Gazette Haïti. Là, li dépend de quatre autres membres qui ont été aussi indexé tous les trois dans le rapport. Si ILCC joue suffisamment soupçons sous tous trois mounzao, qu'on y a été quatre conseillers. L'aime dit quatre conseillers n'a pas les votants. Donc, l'automatique, c'est pour un jugement procès. Non, c'est fini. Donc, il y a quatre membres. Quatre membres votants. C'est fini. Depuis le rapport sorti, il y a des soupçons avérés. Et pour quatre lotios, à pchita avec trois lotios, dans la réunion, si c'est tous les trois, me dit, peut-être qu'il doit être deux ou bien tous les trois, même je pense que c'est tous les trois. Et de pouvoir avec vous mettre qu'on mange comme ensemble. Donc, c'est eux qui vous aider. Quand il y a ça, ça va le passer. Et l'avenir CPTA dépend des quatre mondes. Quatre qui étaient eux. Mais ils n'ont pas obligé de jouer une décision. Ils ont quatre là. Si c'est eux trois, ils sont bons. Si c'est eux deux, pas bon, mais si c'est eux trois qui sont bons. Qui ça a fait? Pas oublier, après tentative, coup d'État, équipé de gars, et été fait sous CPTA. On se coup d'état 30 avril 2024. Là, nous parlons de ça déjà. Côté que yote mette. Majorité dissoluble. Yeah. Et yon prend temps, CPTA vient font résolution. Dans la résolution, vient mette majorité à 5. Et puis après ça, c'est dans la même résolution ça qui vient gagner présidence tournante. À 4. À 4. Et dans la même présidence tournante, il y a tout fixé date qui est. Et mandat chaque a fini. A commencé et fini. Fini. Kounya an gade scénario. Scénario, qui ça gagne pour faire? Pour le civil de Chita Mounda l'on côté pour Chita en Haïti. Après tout le temps, saute de yon, voilà. Six points pour agir. Mais là? Non, moins de six points pour pas continuer. Voilà, voilà. Pour qui ça? Parce que il travaille dans ses pétons. Il n'y a pas de sorti, prend soin. Et puis il n'y a pas de problème familial. Un problème santé, c'est pour l'être là. Même gens tout, avec ceci, chaque semaine, on est à l'étranger. Mm. Donc, faut qu'on y ait là, à partir du jour d'y là, faut que nous faut que monsieur ça, au 4 après 24 sur 24. Mais qui ça? On a envisagé plusieurs scénarios. Edgar Leblanc était? Non, impossible. Non, Edgar Leblanc pas capable de rester.
Il va carrément. Non, bam tout fait bien les gars, bam nous. Pourquoi il va carrément? Ah mais ok, tu me suis quoi pour qui ça? Doit aller. Ok. Edgar Leblanc, qui était ancien président Sénat, président Assemblée nationale et coordonnateur général, c'est titre ça numéro 1 OPL gain gestion Edgar dans tête et CPTA comme coordonnateur bien sûr de le président son gestion catastrophique Edgar oui Edgar on pas parler de corruption pas connaître ça Edgar tout ça ouais côté que ouais alors il va Edgar non vous voyez al ramasser l'argent on c'est pas ça non me dit on pas connaître Edgar corrompu ça Edgar fait Edgar m'a pour exemple Pierre Conte, vous bagage. Changez le Gary Conny. T'es parti la fin mois de juin et li parti fin juin là aller aux États-Unis et puis li et conseil avec ses par rapport avec le Gary Conny notifié. Il vous dit pas de vous, il va de vous. Oui, conseil là prend une décision. Son base consensus. C'est comme si nous avons une décision qui prend à l'unanimité. Pour que nous voyons une lettre by et Gary Conny pour expliquer si le type de voyage n'a pas qu'à faire comme ça sans et nous pas planifier avec conseil, CPTA. Avec CPTA. Ou bien nous sommes capables de dire sans CPTA pas approuvé. Et Edgar Leblanc va envoyer une lettre ça. Avant ça, il y a un paquet de désordres et ministre affaires étrangères fait dans la diplomatie. Après, vague révocation a été fait, remplacer mon etc. On connaît la diplomatie, c'est sa constitution, on dit, l'élevé de la présidence. La présidence. Ouais. Mm-hmm. Et ni rempla- changer mon, ni remplacer mon, et conseil a décidé, en conseil, pour que il traite la question, pour corriger ça, et Edgar, par exemple, suivi. Et Edgar, par exemple, fait suivi. Assad, Haïti, m'a dit non ça. Et Haïti, pral gen yon nan CEP que moun pa jam konnen. Ki pa bon. Moun yo pa bon. Pi fò la dan yo. Et ou gen an pil chans pou al tombe nan élection Kachou Boumbe. Contesté. Contesté. Ki est ki ba ou CEP et conseil la? C'est Edgar. Ça, le conseil électoral, ça. Qui en fait? Li arrange li avec yon observateur Minel qui prend pour qu'il tombe expert dans question élection mais expert dans voler il d'abord le dans CEP ITA CEP et CEP Léopold Bélanger c'est lui même qui bail responsable chantier élection et puis pour chaque secteur il y a un paquet de problèmes on va prendre exemple secteur paysan. Oui, dit monsieur Volet, mais c'est un gros bagage. On va comme monsieur Volet, est-ce que le TKB monsieur on va qui passe ça dans CPTA oui. Dans CEP oui. Bélanger oui. Pardon oui. Oui. Et jusqu'au y a soit le faire audit ou une tracion. Mais c'est Haïti. Si elle fait audit, il y a une tracion. Écoutez. On y a c'est lui-même au bail chantier. Hein? Et il fait des ordres dans secteur et pour le mettre monde dans secteur, il faut un deal avec eux qui ça m'a bien oui. OK. Et c'est ça quoi, ouais, par exemple, dans le secteur paysan, ça va bon. Il va bon. Mais il y a bon Jacques Seyss quand même. Mm-hmm. Ouais, etc., etc. L'autre secteur, des autres dans le secteur, pas nous, même pas parler des bails encore, etc. Qu'on y est là. Edgar, les Blancs, nous, ou pas gagner un monde, toute institution, organisation, cap d'eau, et m'a pas de n'importe organisation, non? Voyez des documents, voyez des lettres, pas jamais acquis réception. C'est-à-dire que Edgar pas un secrétariat qui a fonctionné. Assad, m'a pas qu'à compter combien de lettres. RNDD a voyé entre 8 à 9 documents by CPT. M'a pas de lettres qui gagnent, m'a pas d'élection, m'a pas de documents qui concernent CPT. Aucune réponse. Aucune réponse. Premier ministre va répondre dans toute parole. Et les deux, mais qui m'ont capturé sur lui. C'est sous base ou pensez que monsieur. Non, m'a fait plusieurs analyses. M'a fait plusieurs analyses. M'a fait plusieurs analyses. Considération? Considération. M'a fait plusieurs considérations. Edgar,
n'a rencontré Edgar les Blancs. Moi, en plus, on a battu bravo pour Edgar les Blancs et Nations Unies. Oui, c'est bon bagaille. Oui, moi, je pensais qu'il y a des bagailles qui disent qui bon. Mais c'est pour aller réunir avec Edgar les Blancs pour dire comme ça qu'il faut que bon bagaille qui fait dans Petro-Caribé. La manche. Il va faire. Non, non. Nous rencontrer avec lui, nous avons posé plusieurs organisations de droit, nous avons posé problèmes qui gagnent, mais qui côté Petro-Caribé, et c'est Petro-Caribé qui mène nous, et je dis, nous avons posé problème, la justice a. Nous dit, mais, nous dit le consacré, et faut que nous avons parlé avec le ministre de la justice là, et pour le ministre de la justice parler avec le commissaire gouvernement chef, parce qu'on est commissaire gouvernement, il dépend que c'est dans la première instance, dans la cassation ou bien dans coup d'appel, il dépend du gouvernement, ministre de la justice, pour parler avec le commissaire gouvernement chef pour cassation, pour être capable de faire avancer le dossier Petro-Caribé. Qu'est-ce qu'il dit dans la cour de cassation? Il dit ça pas la donne. Il dit ça pas la donne. Alors, on en a battu bravo pour restitution, d'accord, c'est bien, il parle, mais il parle en Petro-Caribé. Il parle la donne? Il pour qui ça? Ah, c'est lui-même qui est capable d'expliquer ça. Gagnons pas quelle décision que gagnons pas quelle décision que Edgar prend l'hypothèse pour contre hein l'hypothèse dans conseil des ministres c'est les membres CPTO ouais et ça dans agenda que on va en connaître. Ah bon? Oui, alors que c'est des bagages qui pour discuter dans conseil là parce que lui-même c'est la coordonnée pour le conseil là. Ça veut dire, le conseil là prend une décision et soit majorité à fin, ou disons, le conseil a fin prend une décision, lui-même ça a gagné pour le faire, lui doué et fait suivi pour assurer lui que il a appliqué. Il y a suivi qui fait sur question de décision au conseil là. Depuis, le bagage n'a pas en faveur lui, il a bloqué. Ma bon autre exemple. Là, nous figurons au niveau PYDH. Ça a passé dans le secteur d'Oisim, un problème. Sur les CV. CV. Et puis, bonne réunion nous finissons faire avec Edgar. Edgar dit comme ça, mais j'aimerais bien là, nous n'est pas capable d'avancer avec ça comme ça. Faut que nous gardions. Faut que nous gardions. Faut que nous gardions. Problème. Faut garder. Réunion en fait dans lundi. Et puis, dans mercredi, c'est un conseil des ministres qui pourrait faire le conseil des ministres, il vient pas faire d'accord. Laisse ça, nous, en commencement, au mois de septembre. Et puis, la veille, elle m'a dit, et puis, moi, je dis, nous rencontrons hier, lundi, mais nous apprenons que, c'est bien après le premier avec 9 membres. Ça s'est passé. Et, la parole avec notre téléphone, il dit, c'est ça, la majorité a décidé, dans le conseil là. Bon, c'est normal. Mais pas de vrai. C'est pas de vrai? Non. Mais il prend une décision pour contre. Il prend une décision pour contre. Ça, c'est sous bazar ou quoi que. Non, non, sous bazar, yo, bazar, yo. Sous bazar, yo. Oui, parce que. Oui, parce que. Est-ce que c'est parce que Mandal fini? Non. Il faut aller. Assad. Ou c'est parce que il fait faute ou bien mal géré? Assad. Ou bien est-il mal géré? Assad. Il n'est pas bien géré. Tout désordre ou est-ce qu'il a fait? Tout j'en ouais. Et gouvernement, que ce premier ministre ou bien ministre affaires étrangères a piétiné conseil là, a entré sous prérogatif conseil là, c'est avec complicité. Donc on dit que s'il t'a fait tout le bien, vous voulez dire que t'es arrêté? Non, si Edgar les Blancs, Edgar les Blancs, c'est quand même une figure. C'est un monde qu'on n'a pas jamais entendu l'impliquer dans ce scandale. Dans la corruption. Ouais, tout ça m'a dit, là, m'a qu'on est Edgar dans la corruption. C'est le pays, par contre, monsieur. Exactement. Mais moi, il dit, dans le niveau leadership, il n'y a pas rien, et lui, c'est toutes les autres qui ont fait dans la diplomatie, toutes les autres que le gouvernement fait, il a donné, sans être passé, et Nations Unies avec des délégations lui-même responsable et m'a dit où moi-même même d'abord que les Voltaire qui est le président qui est pour qui ça vous les Voltaire t'as quitté pour Edgar le Blanc qui est vous les Voltaire pas qu'à le passé ça n'est pas oui ah, mais vous mettez pas ça problème dans tout vrai problème vous n'avez André bon j'aimerais d'où désir attendez tout parole Pierre Espérancio mais finalement, Pierre Espérance galère et n'a pas de défendre lui-même. Pierre Kaka tout bête.
pas un côté causé avec pas connait non parce que Jean-Pierre a décortiqué qui a montré exactement pas A plus B mais côté problème dans sorti mais côté problème dans yé mais ça fait problème dans mais ça fait si mais ça fait ça mais ça bagaille et ça montre que ma clair que est-ce que ça Pierre dit c'est vérité ou pas que bon moi même m'pa non secret des dieux bien m'pa un acteur qui sous scène avec yo qui dans réunion avec yo capchita avec yo pour me connaître est-ce que c'est vrai ou pas mais ça que moi même ka essayer comprendre ka essayer regarder c'est ouais exactement bien que situation lui-même il paraît très compliqué c'est ouais que vraiment j'ai que situation paraît très mangon mais donc je dis en là les que nous garder infonigé pour nous ça qui là ou ça qui existait là jeune aujourd'hui hein nous dit que et qui a venu pas qui a venu pour exécutif là qui là baba nous menti parce que déjà trois conseils ça vient fragiliser reste conseil là c'est qu'on a question qu'à poser est-ce que conseil là de craser est-ce que trois membres ont démissionné qui ça carré comme ral dit et est-ce que et prêt à remplacer de trois messieurs ça yo elle son paquet on a vu un paquet qui sont qu'à poser ça c'est où mais qu'on a ça c'est pour capter hein mais dans cas gouvernement connu non nous avons une bataille là côté que gué des décisions que capter apprend et connu montre à clair que bagarre pas qu'à faire comme ça et décision claire c'est dans quatre convocations ministre et Dominique Dupuy ouais comment que PM connu dit non hein pas comme ça on va cap convoquer un ministre lui-même sous tête lui et puis pousser un chef cabinet un conseil cap signé en balette là gon vise de forme dans ça il dit comme dans de bon conseil des ministres dans jour là ba connaissez vendredi ou bien samedi ça hein mais là conseil des ministres ça discuter elle dit là connu clair connu camper des ministres et connu ben, son ministre hein son ministre yes son voilà et normalement tout c'est connu chef gouvernement mm-hmm. Et connu montre exactement que gère bagarre cap comme des décisions pour une bonne gouvernance c'est la présidence et la primature que c'est pas parce que et ministre là OK ben pour vous décider convoquer comme ça parce que pas oublier les six votes étaient dit les que te prend humiliation dans comment les Nations Unies l'été dit que t'as qui va le couper. Elle dit qu'on est bien que convocation et Madame Dupuyen, l'estimateur d'elle. Elle dit pas bah, sur ça, non? Mais Kounia, est-ce que c'est dans tellement où est montré comme si et ministre pas rien, bagasayo, et n'est pas tenu compte de Sanga Babrile et formalité, hein? Je que ça doit être fait. Mm-hmm. Sinon, bagasayo va compliqué. C'est où est que profit cap glisser là? Sérieusement en Mbappé capitaine hein? Et qui profite cabolisé sérieusement là tout en Mbappé PM non et dans jour qu'a venir là yo là que pour Noël après lui dit gain en réalité et qui peut gagner cap vu là gène qui dit que si yo camper au centre si conseil a crasé yo pas perdu si c'est gars connu qui vient venir en mettre bon bah comme ça capitaine dans ton fait là moi même souhaiter que peuple a très prudent dans ça qui a fait là qui permet que c'est dans espace côté il y a gagnant pour le camper. Qui côté y a gagnant jusqu'à présent nous pas qu'à fixer position nous pas qu'on est parce que quel t'es connu quel t'es conseil présidentiel transition il était venu dans situation que personne pas accepté parce que il était well pas légal pas constitutionnel pas populaire et de fait comme c'est pas nous qui j'en prends décision pour la République. Eh bien, moun ki habitué prendre décision pour la République, yo te décide prendre décision pour la République d'Haïti. Yo continue à faire chimè. En pile moun te souhaite yo réussi. Et quand ça tourne, en pile moun ki te déjà ouais, échec yo tout. Pas si personne. Parce que analyse yo te très clair. Y a aller dans la famille, y a aller dans la collectivité, yo te ouais, ça pour la kamasse. Parce que vision, objectif, philosophie, courant d'idées, il n'y a pas de gens même à travers neuf mounsa yo qui étaient en dedans conseil présidentiel transition. C'est vrai, on te présenté comme une structure, comme un projet mosaïque et les multiformes. Mais des multiformes, non, ils pratiquement abordent des résultats multiformes. Si tu es d'accord à rentrer là-dedans multiformes, eh bien, le résultat qui a venu, ou pas, ou pas, t'as qu'à vouloir que tu es l'autre gens. C'est multiformes qui a pied. Chaque groupe moun yo, il a décidé de prendre décision, il a décidé de faire affaire par yo, qui a un intérêt. Et jusqu'à présent, on pas songer que architecte Lessie Voltaire,
comme conseiller présidentiel, il te dit que conseil présidentiel transition a fonctionné normal. OK? Il a fonctionné normal. Il n'y a pas de pièce contrainte malgré scandale corruption qui gagne. Est-ce que à partir de travail ILCCA, contrainte va commencer à venir? Parce que vous pas senti bien volonté pour monsieur démissionner. Songez te gagne des dénonciations qui te fait quoi que négocier te demander forte somme d'argent pour te démissionner. Parce que si il y a un conseil présidentiel transition, il pas appartient avec personnalité, il appartient avec parti politique ou bien structure qui veut la représenter là. Et ouais, gain divers dans structure qui fait demande pour demander monsieur pour quitter conseil présidentiel transition jusqu'à présent aurait été très. Et Smith Augustin toujours été convaincu Blaise 7 octobre qu'a vinn là la prend siège comme président coordonnateur conseil présidentiel transition. OK? Malgré les soupçons la justice qui sous donne. OK? Les blier comme mot dignitaire. Et Blaise, on est qui fait, mais c'est là mieux pratiquement fait office de la présidence depuis lors qu'il a été décidé. Quitter. Et elle s'est étendue, il a été tout démissionné. Parce que dossier, ça qui vient pour avec question de la présidence, nous avons parlé dans votre coup de justice. Votre coup de justice est composé de chambre, chamba, du parlement. Le parlement n'est pas existé. À partir de ça, M. Tédoué, tout connaît qu'il n'y a pas de place là et comme président. Bon, comme c'est Gagot, c'est lui Gandaï. Tout ça qu'a fait que là, c'est bagay qui non constitutionnel, il a continué à avancer. Nan dérive, nan brigadier qui a décidé de faire. Parce que son pays comme ça. Et tout ça qu'a fait là, mettre esclavio d'accord. Mettre esclavio dit c'est correct. Parce que faut qu'il y ait une division dans le champ qui a permis que mettre là lui-même les content. OK? Qui a permis que mettre la jeune la joie. Qui permet que mettre la faire bénéfice. Cette division ça, oui, qui bon pour eux. Parce que toutefois que nous unis nous, lui permettre qu'il y ait d'autres sous bénéfices qu'il y a fait, sous trafic de toutes sortes qu'il y a fait dans le pays. OK? Et c'est lui-même même qui conduit sa voie qui vient là, mais c'est ça. Le jeu avec elle. Ou pas avec facilité, Raoul Pascal vient lui quitter le pays. Avec facilité. Lui-même avec famille, par contre, si tu résides déjà, avec facilité. Lui quitter Haïti. Parce que le film fait job sale là. C'est ton mission. Est-ce qu'elle pourrait être facile pour extrader Raoul Pierre-Louis, ancien directeur, ancien président du conseil d'administration de BNCA, pour venir en Haïti. Comme Yomandel, n'a prétendu, procédure qui pourrait aller vers la diplomatie, c'est vrai, ILCC Mandel, pour jusqu'à présent, l'été, on bagaille qui est dans l'air, est-ce que diplomatie après adopter pour faire des marches, ok? Pour faire des marches diplomatiques, qui mandait pour conduire tout ça vient dans le pays pour venir répondre à une question la justice sur question ça. Et c'est le bagage qui lui est puni. Parce que c'est image tout haïtien, que M. Damsao entend qu'il est affilié. Parce qu'on est qui dans le conseil présidentiel. Il fait office président. Il représente. Parce qu'il fait partie du peuple là. OK? Quel que soit côté privé, il a dit bon, c'est haïtien. Oui, c'est haïtien. Président, on en a volé. Nous pas qu'à sérieux. Et ça, on a une autorisation avec un ensemble de pays, quel était dans le Caraïbe là. Quel était dans toute Amérique là, ou bien de l'autre continent, ils ont continué à piétiner, continué à ouen par une valeur, continué à ignorer ça qu'ils construit comme peuple. Parce qu'il y a une autorité qui d'accord, rentrer dans toute bagaille qui démêche, dans tout ça que le monde a goumé contre eux, le monde a goumé contre corruption, et puis, vous avez une autorité qui rentre dans la corruption. Le monde a goumé contre instabilité politique, a goumé contre insécurité. Ou jeune ancien avec autorité actuelle qui n'a pas réussi avec les gens qui continuent à terroriser mon dans le pays. À partir de yon révolte, Blaise n'a pas sorti dans ça que le peuple haïtien li bay directive. S'il n'a pas donné, nous dit, mais qui ça que nous mettez comme balise pour ne pas donner? Est-ce que des gens qui méritent jeune pardon? Qui gens n'a fait catégorie moun qui doit jeune pardon? S'il n'a pas qu'à entendre pour nous faire comme ça, s'il n'a qu'une diaspora qui dit, qui pas qu'à entrer la caille Blaise, la tête liste en dehors toujours. Et si là, qui est dans le pays, il n'y a pas qu'à déplacer de une région pour aller dans l'autre région, il fait que tu en apprendre des situations très difficiles et même compliquées pour les personnes. Merci, Désir, d'avoir croisé dans la mitage, mon frère. Merci, en plus.